Monsters Abundance. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la ferme limousine, excusez-moi. Je pense que c'est l'épisode 4, je dirais, si je dis pas de conneries, ou 5, bref, peu importe. Donc comme vous pouvez voir, il y a une différence de fluidité hors du commun. Je vais vous expliquer quelle manipulation j'ai fait pour réussir à rendre la map plus fluide. Alors premièrement, j'avais mon dossier de mode personnel, où j'avais 8 ou 9 gigas de mode, où j'ai jamais eu le moindre problème. Je me suis dit, bon, j'ai lancé la limousine, j'ai noté sur mon téléphone tous les modes que j'avais dessus. J'ai tout inscrit sur mon portable, et ensuite j'ai fait un dossier, la ferme limousine, j'ai tout remis les modes dedans. Et avant de relancer la partie, ce que j'ai fait, parce que ce qui peut des fois arriver, c'est que ta sauvegarde bug. Moi j'avais ma sauvegarde de la limousine dans le slot numéro 4, et je l'ai tout simplement déplacé vers le slot numéro 11 qui était vide. Et du coup là, il y a une différence quand même relativement importante quoi. Je veux dire, là depuis que je joue, j'ai des coups de lag, enfin pas des coups de lag que vous verrez spécialement, des baisses d'image à quelques endroits, mais franchement c'est rien à côté d'avant quoi, je veux dire... Là j'ai l'impression que j'ai presque pas un coup de lag quoi, je veux dire, c'est différent, ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez voir que là il manque une barre de coupe, bref, ça c'est des petits aléas. C'est des petites modifications que j'aurai à faire. Je vais juste prendre ma manette par contre. Mais par contre, voilà, donc là on a un nouveau jouet, donc je vais vous montrer ça. Le 7810 version américaine. En collaboration, donc c'est Big Boss Modding qui l'a fait sous l'autorisation de Pago Modding, de Sotilo Modding, d'accord. Donc franchement, c'est un putain de tracteur américain, t'as 190 chevaux, alors là attention, hein, là t'as pas le tracteur d'homosexuel, hein. Là t'as le tracteur quoi. Donc là, on a notre 8330 qui va nous servir aujourd'hui pour ramasser les balles. Donc vous pouvez voir que j'ai... fait fermenter le silo tout de suite, comme ça on était tranquille. Hein. Comme ça on remplira l'autre silo un peu plus tard. Pour le moment, moi je crois qu'il était pas tout à fait plein. Je crois qu'il était à... si je dis pas de conneries, à 80%, une connerie du jour. 85% je crois, presque plein honnêtement. Vous voyez là, avant, sur l'allée qui pointe vers la ferme, je descendais jusqu'à 15-16 images secondes. Là je suis descendu à 32. Donc c'est qu'il y a quand même une différence. Putain, mais merde, excusez-moi. Donc moi je pense très sincèrement que la ferme limousine, un grand conseil si vous avez des problèmes de lag ou autre, mettez-la dans un dossier à part. Il l'avait précisé, mais moi franchement c'est vrai que j'avais pas spécialement écouté, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais eu de problème avec ma config. Maintenant que je l'ai eu, mettez vraiment cette ferme limousine dans un dossier, dans un de vos dossiers, où vous jouez que avec celle-là, tout simplement. Ça vous évitera des problèmes. Voilà. Par la même occasion, j'avais des problèmes de manette là, parce que ma manette, si vous voulez, comme des fois je configure mon volant et des fois je joue à la manette, ça m'a complètement déconfiguré la manette. Donc là, je vais aller dans les options de farming, tu sais, et puis j'ai fait restaurer par défaut. Et là, ça remarche bien. Du style, quand maintenant, si tu appuies sur la gâchette LB et X, ça te remonte le machin là, le bazar. Si tu appuies sur l'autre gâchette RB, tu klaxonnes, gyrophare. Ça c'est pour monter, descendre. Et bah moi si vous voulez, quand j'appuyais juste sur LB, ça m'activait ou me désactivait une moissonneuse. Et les 4 boutons de la manette d'Xbox 360 ou Xbox One ne me servaient plus à rien. Donc c'était vachement pratique. Tu voulais klaxonner à quelqu'un, tu décrochais ta barre de coupe sur la route. Petite dédicace à Bruno. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc là je suis vraiment content, parce que franchement... Là, je vous dis sincèrement, même que je suis en solo, ça m'aurait vraiment cassé les bonbons d'arrêter cette carte. Parce que j'aime beaucoup cette carte. Elle a une beaucoup plus grosse espérance de vie que ma Gorse Goa. On va pas se cacher. Ma Gorse Goa, je l'arrêterai, je pense, dans pas trop longtemps. Pas trop longtemps, Gorse Goa, je pense qu'on va monter à l'épisode 20. Parce que vu que c'est une conversion du 13, j'ai détecté des problèmes dessus. C'est-à-dire, j'ai 200 vaches, j'ai accéléré le temps d'une semaine. Elles ont tout ce qu'il faut comme production. Ça m'a fait 5 tonnes de fumier en une semaine. Donc tu vois qu'il y a un petit souci avec.
Donc c'est pour ça que Gorse Gowa, ça va. Je vais faire quelques épisodes dessus encore, plus sur les céréales. Voilà. Et je l'arrêterai, je pense, cette map. Vers l'épisode 20, tu vas voir. Parce qu'on est déjà à l'épisode 13, je crois, dessus. Donc, mine de rien, on y monte vite. Voilà, c'est ça ce qu'on va dire. Ça monte assez vite. Donc, du coup, c'est pour ça que. Donc, voilà, tout simplement. Je l'arrêterai. J'ai pas de map encore techniquement parlé. Enfin, techniquement parlant, j'ai pas de map en vue là actuellement. Donc ça sera la limousine qui remplacera cette map en attendant. J'ai peut-être une idée. Oh bah putain, mais moi ce matin, ça va plus, hein. J'ai une idée, une petite idée de ce que je pourrais mettre comme autre carte, mais c'est pas encore sûr. Si vous voulez, je recherche pour. Parce que là, j'ai la limousine qui est une très grande carte. Comme seconde carte pour carrière solo, je recherche une carte moins grande que la limousine. Donc moins grande que ça. Qui soit quand même jolie, qui soit agréable à jouer. Qui ait quand même des beaux. Qui ait quand même quelques champs, tu vois. De préférence, s'il peut y avoir plusieurs productions d'animaux, par exemple, ça serait un plus. Voilà, c'est un plus. Hop, par contre, je viens de me rappeler, je crois que j'ai du coup mon semoir de 18 mètres qui traîne dans un champ parce que, comme j'ai pas remis le tracteur qui allait devant, je suis droit là. Attends, peut-être avancer un peu, ou pas de trop, parce que là-bas ça m'a l'air un peu bossu. Ok, donc là-bas on va ranger les bottes, ouais. Première auto-chargeuse, les gars. Alors. Merde. Voilà. Allez, on est parti. On va laisser replier tout en roulant. Oh, chier. Bloqué à cause de ça. Bon, après, hein, ça, je me souviens qu'on avait sur le 13. Quand on regardait là, on laguait. Ça, je m'en souviens très bien sur FS13. Oh putain, alors là ça va passer. Just, c'est passé. Allez, on est reparti. Ce qu'il va falloir sûrement qu'on aille chercher un champ avec le plateau. A voir si j'arrive à rentrer avec. Si j'arrive à rentrer avec, on le fait avec. Si j'arrive pas, ben on fait avec le plateau. Disons que cette méthode d'avoir mis un dossier spécifique me permettra pour la ferme limousine de vous filmer en meilleure qualité. Après, c'est dommage parce que je peux pas vous mettre la vidéo en 60 FPS comme il y a pas mal de chutes, quoi, d'images secondes. Je peux pas vous la mettre, mais au moins vous aurez une qualité plus potable. Et je pense que dans 90% des cas, ce qui fait laguer, c'est les textures aussi sur cette carte. Si je pense que tu lui fous les textures d'origine, c'est sûr, ça serait dégueulasse, mais je pense que tu serais fluide à 60 partout, quoi. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense. Putain, décidément, je sais pas ce que j'ai ce matin, moi, mais. Alors, ok, ça c'est bon. Ça c'est réglé. On va replier. On va remettre les gyrophares. Et on va se diriger vers. On avait fait ce champ-là. On avait fait le big champ là-bas. Bon, on va se diriger vers le big champ, hein, doucement, hein. Son, il faut qu'on les ramasse tous, hein, les gars. Hein, donc. Hop. Il faut qu'on ramasse tous les champs. Donc après, voilà, il faut qu'on y aille d'une manière ou d'une autre. Prochain épisode, je pense qu'on va se faire une petite récolte de sorgho. Histoire de changer un peu, quoi. Petite récolte de sorgho. Ou alors, on nourrit les animaux dans le prochain épisode. Enfin, du moins déjà les vaches. Hein, ça sera déjà un très bon début. Hop. Oh, putain. Alors, attendez, faut juste essayer un truc. Contrôle Alt. Non, j'ai pas mis de mode. Hop. Et pourtant j'ai mis un mode de cheat, mais je sais pas lequel que j'ai mis. Ah ou ouais, alors c'est pas celui avec. Ah si, c'est celui avec F11 que j'ai mis. D'accord, hein, celui-là. Hein. Alors celui-là s'appelle le Gale Cheat. Alors je vous le déconseille sur serveur. J'en ai fait l'expérience. Tu te mets 2 millions d'euros, tu fais un achat, donc une masse, un tracteur, peu importe quoi, tu te retrouves à moins 2-3 millions à chaque fois. Donc à chaque fois, il faut que tu spammes ta touche F11. Enfin bref, c'est le bordel. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, je vous déconseille.
cette le guild cheat sur serveur. Parce qu'il est complètement cheaté le bordel, donc complètement buggé, disons-le plutôt comme ça. Hop. Putain, c'est dommage, ils auraient pu faire un passage entre les deux champs, tu sais. Allez, hop, c'est parti. On est déjà à 9 bottes. Oh, ici, on va faire deux auto-stacks, hein. Voilà. On va faire deux auto-stacks, ça va être sympa. Hop, 12. On va peut-être pas deux complètes. Hop là. Bah disons que de l'herbe, il faudra qu'on en refasse, hein. Là-dessus, il n'y a pas le choix. Oh mais putain de bordel, aujourd'hui j'ai des chats dans la gorge, c'est l'horreur. Alors on va en récupérer un. Une, pardon, une botte. Hop. Hop, remonte-moi ça. Allez, c'est parfait. Donc disons que maintenant, on va tenter de tourner délicatement. Alors oui, maintenant j'ai une autre politique sur la ferme limousine. C'est-à-dire que sur la ferme limousine, je prends mon temps. Quand je tourne, quand je fais des manœuvres ou autres. Pourquoi? La raison est très simple. Attendez, juste mon câble là de mon casque qui me fait chier. La raison est très simple. C'est que vu que tout est en collision ou que 90% des choses sont en collision, j'en ai marre de me planter dans des conneries. Bon, même si des fois tu fais pas exprès. Mais disons que ça me saoule. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire attention et disons de prendre mon temps. Comme du style là, t'as deux putains de poteaux. Si tu touches le premier ou le deuxième, t'es foutu, t'es baisé. Donc c'est sûr, c'est bien d'avoir une map no co enfin, avec collision. Parce que c'est réel, tu vois. Mais après, je veux dire, enfin moi personnellement, comment je vois le réel, c'est-à-dire les barrières, les murs, tout ça, tu mets en collision, je suis d'accord. Les haies, tu mets en collision. Mais pas les poteaux, pas les panneaux de signalisation, les poteaux et tout ça, tu mets pas en collision, tu vois. Parce que ça, je trouve que c'est complètement. Bah, c'est pas que c'est shit. Enfin, c'est ce que je veux dire en vrai, tu rentres dans un poteau, surtout ces petits poteaux, c'est censé être du plastique, quoi, je veux dire. Donc, logiquement parlant, t'es pas censé avoir de problème. Alors là, je me lance dans une expérience hors du commun, nous. Parce que là, je sais pas. Oh putain, alors là, je me suis lancé dans un truc, les gars. Oh, ça passe. Impeccable. Hop. Allez, on va prendre notre merlot. Franchement, ce merlot, il est magnifique. Alors, faut juste que j'appuie sur la touche B. Voilà. Et là, logiquement, maintenant, avec ma manette. Je vais juste mettre l'aide d'un coup. Parce que je sais plus quelle touche c'est. Mais je sais que je peux. J'ai dézoomé, ça serait sympa. Oh, puis peut-être. Vu intérieur, il va bien ce merlot. Donc c'est ça, je crois. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Maintenant, je peux désactiver l'aide. Et on va ranger notre foin. Là, je peux y aller là. Impeccable. Impeccable. Donc c'est vrai qu'on fait pas mal de manutention, hein. Mais je sais que ça vous plaît de faire quand. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là? Hop. Ah non, c'est bon. Je sais que ça vous plaît quand je fais ça. Et surtout que FS15 nous permet de le faire. Donc disons qu'on va pas être idiot. Et qu'on va profiter un peu de ce que le jeu nous propose, hein. Voilà. Impeccable. Impeccable.
Impeccable. Je me concentre un peu quand même. Parfait. Ouais, ça va quand même assez vite une fois que t'as le coup de main, franchement ça va bien les bottes, hein. Alors attendez, là je me suis pris un peu comme comme dirait l'autre, je me suis pris un peu comme une vache espagnole. Voilà. Voyons voir en vue. Ah ouais, c'est bien, nickel. On va décharger celle-là. C'est parti. On va dézoomer, ça serait encore mieux. Hop là, arrête-toi. Donc aujourd'hui c'est la seule vidéo que je tourne. Oula. C'est bon, ça s'est stabilisé. Hop. Elles m'ont fait un peu peur les bottes là, je vous avouerai. Ouais, c'est bon. Hop. Bon, elles sont pas tout à fait droites, celle-là. Attendez, là je vais me mettre comme ça parce que elles sont un peu branlantes là. Voilà, c'est bon. On est justement. Éviter. Bon, ça va aller comme ça. Voilà. Les problèmes, disons-le comme ça. Allez. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, impeccable. C'est parti. Allez, on y repart. Comme ça, là, on aura un peu de... On aura du stock, on pourra nourrir les bestioles. Ça sera déjà bien. Le fait qu'on nourrisse les bêtes. Hop. Pourra avoir du fumier, du lisier, de la manutention avec les animaux. Et vu que ça vous aimez bien, eh ben, ça sera parfait. C'est parti. J'étais en train de réfléchir à un truc. J'étais en train de réfléchir à un truc.
Oula. C'est bon. Putain, je pensais que je m'étais foutu dans le poteau, mais en fait non, donc ça va. On va pas se plaindre. Tant mieux. Sinon, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme temps chez vous, mais alors putain, c'est vrai que chez nous là, c'est le printemps hein, qui est bien revenu là, hein. Franchement, ça fait du bien. On a du soleil et du soleil et encore du soleil. Hop. Hop là. Tout devrait rentrer. Ouais, ça va rentrer, je pense. Ah bah oui, sans problème, il en reste 4. Voilà. Hop, c'est parti. Ok. Bon, il nous reste de quoi mettre 6 bottes. Là, ça me fait des piles de... Des piles de 5. Hop, tourne là. Alors attendez, j'étais juste en train de penser à une chose. Ah si, c'est bon, je les ai mises. Nickel. Parce qu'en fait, la cune là que j'ai mise, c'est la machine d'origine du jeu. Sauf qu'en fait, elle prend le mélange total des mélangeuses. Et ça, je l'ai aussi mis sur le serveur parce que c'est vrai qu'on devait prendre la petite la Ben Fortuna là, qui était sortie relativement au début du jeu. Bah justement pour pouvoir pour pouvoir prendre du mélange total. Bah, tenter, mais à mon avis c'est un peu chaud ce que je fais là. Un peu. Enfin quoique ça peut passer. Alors par contre maintenant j'y pense. Est-ce que j'ai foutu... Ah ouais, je l'ai mis. J'étais pas sûr d'avoir mis le map door trigger là. Hop. Alors, non, on va monter comme ça. Alors, ne vous en faites pas. Si je le fais pas au plateau, j'avais dit j'en ferai au plateau. Mais ne vous en faites pas. J'ai déjà une idée dans la tête où je veux faire un truc, ça va vous plaire. Donc ne vous en faites pas pour ça, on fera de la manutention avec plateau. J'ai une bonne idée précise dans la tête que je vais faire. Et on fera ça un petit peu plus tard dans les épisodes, hein, quand on aura un peu plus de stock et qu'on attaquera à nourrir les autres bêtes. J'ai une très bonne idée derrière la tête. Hop. Voilà. Voilà. Et encore une. Et combien qu'il en reste là? Il en reste que 4? Attendez, on va aller voir parce que s'il en reste 4, on vient les chercher avec le télescope après. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, bon, c'est pas grave, on va venir chercher ça au télescopique. Ça changera un petit peu. Allez. Doucement, mon Marcel. Hop. On va se tourner. Hop. C'est reparti.
Ouais, en fait, ça passe relativement bien. Alors là, je le sens pas là. Si tu t'y prends bien, ça passe. Voilà, nickel chrome. Impeccable, les gars. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. C'est qu'on va tout simplement faire ça. Décharger, ranger. On prend le télesco. On va chercher les 5 dernières bottes. Et une fois que ça c'est fait, on regardera le temps qu'on est. Et ce qu'on fera, on préparera peut-être. À chaque fois, je devais le toucher, le pot. Oh putain, alors là. Si, c'est bon. On préparera peut-être un petit peu plus pour côté élevage. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai pas trop de d'équipement pour les animaux. J'ai pas de mélangeuse, j'ai pas de pailleuse, j'ai pas de godet pour le télesco. Donc on va voir en fonction du temps. On va peut-être. Merde, on va peut-être préparer ça ensemble. Comme ça, ben. Bah comme ça, on se fait ensemble, hein, et tout simplement. On peut aussi très bien dire qu'on reçoit seulement le matériel, etc., etc., quoi. Putain. Hop. C'est parti. Hop là. Voilà, nickel. Voilà. Ok. Une fois que t'as enlevé les 8 premières bottes et que c'est pas trop en hauteur, ça va. T'arrêtes déjà de stresser, c'est déjà bien. Parce que c'est un peu. Ah merde, le poteau. On va se mettre bien droit. J'ai déjà compte là. Je suis pas bien droit. Voilà. Nickel. Parce que si là ça tombe, c'est pas trop grave. Je veux dire, bon hop. Hein. T'as vite fait de le refaire, tu vois. Enfin, de ramasser 4 bottes qui tombent, quoi. Ou 8 bottes qui tombent. Hop. Ah, attends, par contre, faut que je pousse un peu. Nickel. Ok. Alors maintenant, c'est justement la bonne occasion pour aller là derrière. Voilà. Donc maintenant, gyrophare. Hop. Et on est parti, on part avec le télesco. On part avec le merlot et on va chercher les 5 dernières bottes qui restent. Oh putain. J'ai oublié de faire un truc. Voilà. Comme ça là, il sera beaucoup moins casse-gueule. Bloquer les roues. Impeccable. Allez, c'est parti. Avec le bruit de l'eau et tout, c'est excellent. Par contre, ce qui est un peu con dans farming, tu vois, c'est que l'effet de la fumée est bien fait, tu vois, c'est sympa. Mais je veux dire, le jour où t'achètes un engin neuf et il fume noir comme ça, mon pauvre, je peux te dire que je le ramène au concessionnaire et je jette à la tête. Hein.
Hop, j'ai débloqué les roues. Et là, on passe partout. Donc, t'énerve pas comme ça, Merlot. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regrouper. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Là-bas, je vais les regrouper par deux. Et puis, je vais les piquer, tout, enfin, les mettre les deux. Et après, je reprends les deux pour les mettre sur les deux autres. Hop. Voilà. Voilà, nickel. On va tenter. Je joue pas du tout comme il faut. Ok. Voilà. Donc là, si je m'y prends bien, c'est-à-dire comme ça, j'ai les choper les 5. Alors attention, il risque de bouger le machin. Ce mec, il dit attention, il roule à fond de batteuse. Hop. Hop là. C'est parfait. Allez, on est parti. On va ramener ça à la ferme. 5 bottes de plus, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours très bon à prendre même. J'ai pas bloqué les roues, donc c'est pour ça que j'y vais doucement parce que t'as vite fait de le retourner le bordel. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, on finit en beauté. Voilà. Impeccable les amis. Eh ben notre stock de paille et de foin est pas trop trop mal. Là, de toute façon, de la paille, on en refera, bah, normal quand on va... Quand on va faire de la one, on pressera de nouveau. Alors, toi, on va te ranger là-dedans pour le moment parce que j'ai plus besoin de l'arcusin. Hop. Voilà. Lui, on va le laisser là pour le moment. Là, on a l'Arion. Alors, attendez voir. Qu'est-ce que j'ai mis comme tracteur, valet de ferme? Je crois que j'en ai pas mis du coup. Bah, c'est pas grave. On va prendre l'Arion. On va acheter ça. Ça. On va lui décrocher ça.
On va lui accrocher ça au cul. Voilà. On va lui mettre ça également. Oh putain, t'arrêtes, arrête-toi, Marcel. On va se mettre le gyro quand même. Et puis bon, on va ramener ça chez les vaches, hein. Voilà, comme ça sera prêt. Le 7810 avec sa grosse benne qui attend là. Comme ça, on paillera avec la pailleuse. Ça fait 50 ans que je dis que je voulais la mettre et maintenant je l'ai enfin mise, cette putain de pailleuse. Comme ça, on pourra faire ça un peu plus réel quand même. Et du coup, ce que je ferai, c'est que pour la prochaine fois, je mettrai un tracteur valet de ferme, tu sais, un petit truc quoi, pour la pailleuse. Et un autre tracteur pour la mélangeuse. Parce que bon, un Arion 650 pour une mélangeuse, ça fait quand même un peu. Tu vois? Je sais pas, prendre un tracteur, un 4 cylindres style. Ah, par contre là. Par contre là. Ça va pas le faire. Putain, alors là, ça a pas dû passer à grand chose, hein. Hop. La mélangeuse, elle va bien aller ici, je pense. Hop. Doucement, l'Arion, t'énerve pas comme ça. Voilà. Et la pailleuse, c'est pareil. Voilà, impeccable. Pailleuse, mélangeuse, on a. Excusez-moi un instant. Ok, donc pailleuse, mélangeuse, c'est fait. Ah, maintenant il faudrait godet pour le télescope, hein. Donc disons que pour un godet, le godet nous servira pour le maïs ensilage et il nous servira pour pour le fumier. Donc du coup, on va prendre le godet d'origine. Voilà, qui est pas mal, 4500 litres. Donc l'Arion, on va le laisser là un instant. On va chercher le télescope, on va vite monter chercher ça ensemble. Putain, maintenant j'ai comme un con. Voilà. Ah, je suis désolé, ces derniers temps, je dois répondre à quelques textos parce que chose personnelle, c'est important, disons-le comme ça. Par contre, Marcel, si déjà tu vas chercher un godet. Tu peux laisser ton bordel là, ça serait encore mieux. Voilà. Et tu bloques les roues pour éviter les surprises. Donc on va chercher le godet. Une fois que le godet est là, on peut peut-être voir pour ramener l'Arion là-haut. J'ai acheté la barre de coupe, il me semble, ou je l'ai pas acheté, je sais plus. On va voir ça. Parce que je veux dire, bon, pour nourrir les animaux pour la première fois. Ah, je sais ce que j'ai oublié, les gars. Ouais, j'ai pas la de citerne à eau, de grande citerne à eau. Il faudra que je mette pour le prochain épisode. Parce que bon, je pense que pour les nourrir, il n'y en a pas non plus pour. Pour beaucoup. Pour trop de temps. Donc, moi, je vais faire un truc utile, les gars. Je vais me faire une nouvelle note sur mon iPhone. Alors, je vais me noter. Voilà. Tracteur valet de ferme. Putain, il en chie, là. Une tonne à eau. Tracteur valet de ferme, une tonne à eau, il faut.
Et si j'ai des trucs qui me reviennent, ben tout simplement je le renoterai quoi. Ah, allez, on est parti. Enfin là c'est quand même étonnant parce que là il y a vraiment beaucoup de fois où je suis à 30 images secondes, voire un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins. Et là, on peut pas me dire que c'est un problème de mode, hein, parce que putain de merde. Hop! Parce que simplement, j'ai presque pas de mode dans mon dossier, donc si c'est un problème de mode, ça serait quand même malheureux. Bah non, ça peut pas être un problème de mode, parce que sur Gorze Gowa, j'ai les mêmes et j'ai pas de soucis. Donc voilà, c'est pas ça. Ah, des fois ça serait à s'arracher les cheveux les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois c'est à s'arracher les cheveux quoi. Mais bon, bref. C'est comme ça, on peut pas faire autrement, on essaie de faire au mieux, tout simplement. Ouais, donc j'ai ça, rajouter une tonne à eau, un ou deux petits tracteurs valets de ferme. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à rajouter? Oh, je regarderai après quand j'aurai fini la vidéo et puis hein, je m'en occuperai de voir ce qui manque ou ce qui ne manque pas, etc., etc. Voilà, on va tourner là. Alors, le godet. Coupe-moi ça. Le godet, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais raccrocher ça. Voilà, nickel. Celui-là, je vais le ranger tout à l'heure. Toi, je vais te ranger tout de suite pour le moment. Comme ça, tu me feras plus chier ici. On va le mettre à côté du Bélarus en attendant. Et si j'en ai besoin. Parce que pour le prochain épisode, j'en aurai pas besoin des tracteurs avec des bennes. Donc celui-là, on va le ranger. Voilà. Ok. Nickel. Toi, t'es au sorgho. Toi, je te laisse au sorgho. On va dire que la benne, elle a 3 jours d'avance. Toi, je te remonte vite au concessionnaire avec vous, les amis. Et après, on s'arrêtera là pour cet épisode. Hein. On va le raccrocher après le plateau. La barre de coupe. Enfin, le porte-barre de coupe. Putain, je vais y arriver. Allez, on est parti. On est parti de chez parti. Oh, ça va, ça aura fait une bonne petite vidéo. Hein. Ramasser les bottes, les ranger. Emmener le matériel pour les bêtes. Une bonne vidéo de 45 minutes, tranquille peinard. Donc comme dit, hein, je résume un peu. Si vous avez eu vous-même des problèmes avec la limousine, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je vois que je suis pas le seul. Comme dit, je résume, si vous avez des problèmes, mettez tout dans un seul dossier pour la limousine. Vos modes que vous utilisez que pour cette carte. Ça réduit déjà les problèmes de lag. Un petit peu, hein, c'est pas non plus une solution miracle. Mais disons que ça réduit un peu. Si vous pouvez déplacer votre sauvegarde, faites-le. Moi, je l'ai fait. Et franchement, c'était pas plus mal. Hop, recul. Nickel. Donc voilà pour résumer un petit peu. Bah écoutez les amis, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comme toujours, comme d'habitude, voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur la limousine. Allez, salut tout le monde!